moins de 5 minutes à jouer. 5 minutes suffisantes pour laisser à Castres le soin de se procurer une dernière occasion. Kirkpatrick ici qui retrouve intérieur Anthony Klassen. Le troisième ligne lève les yeux pour Rory Cocotte qui n'a plus qu'à s'offrir une longue ligne droite pour aller peut-être marquer l'essai de la victoire. À moins qu'ici Taleboula ne revienne de pratiquement nulle part. Taleboula qui a quitté son aile gauche pour venir priver Rory Cocotte de l'essai de la victoire. Mais vous le voyez, Monsieur Berdos demande la vidéo. Il veut juger si oui ou non ce plaquage de Taleboula est dangereux ou pas. Une décision arbitrale qui peut faire basculer la rencontre. Ce pourrait être une pénalité pour Castres. Mais Monsieur Berdos, sur recommandation de son arbitre vidéo, juge ce plaquage tout à fait légal. Taleboula sauve donc Bordeaux de la défaite. Énorme soulagement pour Raphaël Ibanez. Heureux de faire tomber le champion de France et fier surtout d'avoir retrouvé des guerriers sous le maillot de l'UBB.